Alors là, je suis là en tant que représentant du Parti ouvrier indépendant, POI, qui appartient à l'Union populaire. Et voilà, vous êtes avec au Serrois également. Et je suis au Serrois. Ouais. Okay. Bon, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce soir? Alors, ce qui m'a motivé et ce qui a fait qu'on a organisé ce rassemblement, c'est une volonté de soutenir les agents de collecte des déchets qui sont en grève depuis la troisième semaine là, de mobilisation. Pour faire entendre leurs revendications. Et évidemment, ça concerne tout le monde parce que la situation dans laquelle ils sont, qui est une situation de précarité pour certains, puisqu'ils sont vacataires depuis des années, du fait aussi d'inflation galopante qui fait qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, une situation voilà, de compliquée et qui fait que. Voilà, on a tous intérêt à se serrer les coudes et à s'organiser pour dire que voilà, ce problème qu'il a est local et qui est lié forcément aux réponses de la mairie qui ne sont pas à la hauteur des attentes des salariés et de leurs conditions de travail, etc. On est tous concernés parce que bah, évidemment c'est la politique plus générale aussi gouvernementale qui fait que. On en souffre tous, on est tous étranglés par les prix qui montent et par les problèmes de pouvoir d'achat et de vie chère qui font que c'est de plus en plus compliqué et qu'il n'y a aucune réponse qui est donnée. Nous, on demande, comme pour les éboueurs, là parce qu'ils sont mobilisés et parce qu'ils se font entendre, mais plus largement une augmentation des salaires et une réelle réponse pour arrêter de gaver les actionnaires et donner davantage aux salariés. Ouais, là, on en est au 12e jour de grève des agents territoriaux à Auxerre. C'est du coup par solidarité, malgré... c'est le genre de grève qui est vachement visible. On voit de suite dans les rues quand on se promène, dans le centre-ville, dans les quartiers, dans les communes de l'agglomération. Vous, malgré ce côté très visible, en étant habitant auxerrois, vous dites... Je suis avec eux. Oui, complètement. Et d'autant plus face aux réponses qui ont été faites par la mairie et avec ces espèces d'actions, d'opérations, de propagande démagogique où on a vu les élus ramasser eux-mêmes les poubelles sans respecter d'ailleurs ni les règles de sécurité, ni les réelles conditions, etc. C'est sûr que nous, ça nous a donné envie de réagir aussi par rapport à ça en disant non, on ne se fait pas duper, on ne se fait pas embarquer sur ce terrain-là à dire que c'est la responsabilité des agents. La responsabilité de la situation et de la situation de blocage, c'est celle du maire qui ne veut pas entendre les revendications. Ouais. Et qui, dès le départ, en plus, a été vraiment très assez méprisant même vis-à-vis des grévistes et qui, dès le deuxième jour, leur disait de toute façon, vous n'allez pas tenir, donc vous lâcherez rien. Et qui, face à leur détermination, a été obligé de commencer à lâcher des choses. Et donc ouais. Nous, on dit, non, faut aller jusqu'au bout et maintenant, il faut qu'il lâche complètement et qu'il entende les revendications et qu'il y réponde. Ouais, le fait que, dès le surlendemain, presque, c'est 6 jours qu'ils étaient en grève quand la mairie a fait son opération de nettoyage, comme on l'a appelé. Ça avait un côté un peu briseur de grève. Ah bah complètement oui. Bah, de la même façon que là, organisé par une boîte privée, le ramassage, ou de faire des menaces à la privatisation du service, c'est la même chose. C'est des pressions qui sont mises sur les grévistes contre le mouvement de grève. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Et c'est le genre de démarche qui ne peut pas être entendue et qui ne peut pas être acceptée. Pour vous, c'est vraiment le maire qui bloque là-dessus, qui est à l'origine de ce blocage? Oui, oui, là, clairement, il bloque. Et puis, après, il continue aussi. Hein, il participe à la politique générale, ce que je disais tout à l'heure, et à l'ambiance dans laquelle on est d'ubérisation des services publics, de fait de faire un maximum d'économies sur le dos des usagers, sur le dos des agents. Et là, on en voit les conséquences. Et c'est vrai que cette mobilisation qui est en train de prendre de l'ampleur en plus, puisqu'il y a maintenant là tous les agents de la collectivité territoriale qui sont appelés à se mettre en grève à partir d'aujourd'hui ou de demain. Et ça, c'est une excellente chose parce que je pense que il y a une vraie nécessité à entendre les revendications, à entendre la colère, le ras-le-bol généralisé, et là en particulier pour ceux qui sont en bas de l'échelle, pour ceux qui triment, qui étaient d'ailleurs en première ligne et on les a félicités au moment du Covid, etc. Et puis après, dans les faits, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune... De la même façon, à l'hôpital, dans l'éducation, dans l'ensemble des services publics ou dans les boîtes privées, etc. Du coup, vous demandez à Christian Marot vraiment d'arrêter ce bras de fer
parce que c'est un bras de fer qui s'est engagé entre les éboueurs, les agents territoriaux et la mairie. Vous lui dites arrêtez parce que ça ne mènera à rien. Oui, c'est exactement ça. C'est, pour nous, on a tout intérêt à soutenir. Il y a d'ailleurs une caisse de grève là, qui a été lancée, à laquelle pas mal de gens ont participé pour justement soutenir les éboueurs. Oui, j'y ai participé. Et pour dire que la réponse, ça ne peut pas être que les éboueurs se ravalent leurs revendications et qu'ils repartent comme si de rien n'était. Ça ne peut pas être ça la fin de l'histoire. Là, la fin, ça doit être obligatoirement. Et avec leurs organisations syndicales, ils sont là en train de se bagarrer, ils sont en train de tenir, alors qu'au départ, tout le monde disait de toute façon, au bout de deux jours, ça va être fini. Là, ils tiennent. Ils sont organisés, ils se réunissent tous les matins en AG, ils décident de poursuivre la grève et ils ont raison, donc évidemment on les soutient. Ouais, c'est vraiment aussi, il y a ce côté faire pression sur la mairie en se rassemblant ici ce soir, mais il y a aussi un côté soutien aussi aux grévistes. Complètement. C'est vraiment ça, c'est on les soutient, on leur montre notre soutien, on leur montre que voilà, on est derrière eux pour qu'ils continuent. Et puis à la fois, nous, voilà, on porte aussi la parole de la population, des citoyens, des habitants, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la politique qui est menée de restriction des services publics, que ce soit au niveau de la ville ou plus largement au niveau national ou sur l'ensemble des services publics. Merci. Ce soir, malgré les températures extrêmes, pour soutenir les agents de la collecte des déchets en grève depuis le 7 juillet avec leurs organisations syndicales. Aujourd'hui, cette grève s'étend à l'ensemble des agents de la collectivité territoriale et c'est une excellente nouvelle. Les éboueurs, par leur ténacité face à un maire qui fait la sourde oreille, ont permis d'établir le rapport de force et se font entendre. Rappelons-nous qu'au départ, sa seule réponse a été une fin de non-recevoir. Pire que ça, le maire, en venant à leur rencontre, s'imaginant sûrement que le mouvement ne tiendrait pas, leur a clairement répondu qu'il n'obtiendrait rien. Cela n'a pas pris, bien au contraire, et ce n'est pas fini car ils sont plus que jamais déterminés. Et force est de constater qu'il a déjà dû reculer. Dans son compte-rendu du 13 juillet, après un échange mêlant mépris et arrogance, il a été contraint d'annoncer l'embauche de 4 agents et d'accepter de revoir l'organisation horaire. Mais évidemment, c'est loin d'être suffisant. Les agents ont engagé un bras de fer, ils sont dans leur 3e semaine de grève, et il faut continuer à les soutenir, notamment en remplissant la caisse de grève, qui compte déjà près de 2000 euros de dons. Car pendant ce temps, le maire tente de retourner l'opinion publique. Mais nous ne sommes pas dupes et ne nous laissons pas manipuler par ces opérations de propagande démagogique ou son chantage à la privatisation. Et nous le montrons aujourd'hui. Les éboueurs en grève ont parfaitement raison de réclamer leur dû, de réclamer de vrais statuts pour tous les personnels vacataires, certains depuis des années, de réclamer l'amélioration de leurs conditions de travail qui se dégradent année après année et de réclamer l'augmentation de leur rémunération car ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ils veulent vivre dignement de leur travail. La politique menée par le maire est en tout point semblable à celle menée par le gouvernement. Dérégulation, déréglementation, baisse du coût du travail, réduction des moyens, stagnation des salaires, démantèlement des services publics, privatisation. Nous le savons, avec l'inflation galopante, le coût de la vie explose et pendant que des bénéfices vont toujours dans les poches des mêmes, les salariés, les agents, les retraités, les jeunes, les chômeurs doivent se serrer toujours plus la ceinture et sont contraints à toujours plus d'efforts. Aujourd'hui, nous sommes là en soutien des éboueurs en grève, car par leur mobilisation, leur ténacité, ils nous montrent la voie. La mobilisation s'étend, elle concerne tout le monde, et leur victoire sur les revendications serait un point d'appui, puis pour tous. Et tandis qu'à l'Assemblée nationale, les députés parlent de primes de pouvoir d'achat, où LREM, LR et RN marchent main dans la main contre l'augmentation des salaires, nous le voyons partout, la grogne monte, car nous sommes tous pris à la gorge. De nombreux secteurs sont mobilisés en ce moment et nous le montrons aujourd'hui, ce combat, leur combat et le nôtre.
Quand le gouvernement préfère laisser les grandes entreprises profiteuses de crise verser des dividendes pharaoniques à leurs actionnaires, qu'il favorise les entreprises qui s'exonèrent du code du travail et impose un salariat dissimulé, sans protection sociale et sans garantie collective. Quand l'augmentation du point d'indice vendu comme une avancée ne compense qu'à peine la moitié de l'inflation, quand le SMIC n'avance qu'au rythme imposé par la loi sans le moindre coup de pouce, sans parler de l'augmentation des crédits militaires, alors que cet argent pourrait aller à l'hôpital, à l'éducation ou aux collectivités territoriales qui s'effondrent comme l'ensemble des services publics. Déréglementation et baisse du coût du travail sont les maîtres mots. Et pour baisser le coût du travail, ils ont leur solution. Poursuivre le démantèlement des services publics, privatiser, ubériser, détruire la sécu, détricoter le droit du travail et notamment le droit au chômage, reculer encore l'âge de départ à la retraite. C'est exactement la même voie que celle empruntée par le maire d'Auxerre pour réduire la voilure sur les dépenses municipales. Il faut absolument, et de toute urgence, rompre avec cette logique dévastatrice. Défendre pied à pied nos droits collectifs, nos conditions de travail, nos services publics, nos retraites et bien sûr nos salaires. Il est grand temps de répondre aux revendications des salariés qui font entendre partout, avec leurs organisations syndicales, que cela ne tient plus. Cela fait des années que ça dure. Pas d'autre choix. Inspirons-nous de ce que font les éboueurs auxerrois et faisons-nous entendre. Réunissons-nous avec nos organisations. À l'Union Populaire, nous en sommes et nous en serons pour réclamer immédiatement le SMIC à 1500 euros, le blocage à la baisse des prix de l'essence et des produits de première nécessité, l'augmentation du point d'indice de 10%, la sauvegarde et l'amélioration des services publics. Et pour ce qui est de la situation de blocage qui nous rassemble aujourd'hui, il n'y a qu'une issue, la satisfaction intégrale des revendications des agents. Merci à tous. Bravo. Je présente le Parti communiste français et sa section auxerroise. Et on n'est pas par hasard dans la NUPES, puisque j'adhère totalement aux propos qui m'ont précédé. Et bien évidemment, on soutient la lutte des camarades éboueurs et on espère que d'autres vont les rejoindre. Je prends la parole pour ELV, Europe Écologie Les Verts. Comme vous savez, je suis aussi conseillère municipale et conseillère communautaire et ça fait déjà 2 ans que, en conseil communautaire comme en conseil municipal, on essaye de relayer cette souffrance au travail que les agents de la ville expriment dans tous les services de la ville et qu'on s'oppose à la politique du maire, président, qui est de réduire les effectifs, ce qui pose 2 problèmes. C'est des conditions de travail très dégradées pour les personnels qui se retrouvent en fait en sous-effectif et obligés de faire le travail de 2 personnes. Et ce matin, je suis allée au piquet de grève discuter avec eux et vraiment c'est ce qu'il ressort. C'est vraiment difficile pour eux et parmi leurs revendications, c'est la fin de la politique de non-remplacement des collègues. Donc des collègues qui partent à la retraite, qui ne sont pas remplacés et des collègues qui sont en arrêt maladie depuis longtemps. Et ça, c'est vraiment la politique, le choix politique du maire-président. De toute façon, c'est un choix qui est largement assumé puisque dès le début de son mandat, il a parlé de réduction des frais de fonctionnement sur la collectivité, des dépenses de fonctionnement et donc des salaires. Et son ambition, c'est de réduire de 150 postes sur l'ensemble du mandat. C'est 25 postes par an. Donc dès qu'un agent part à la retraite ou fait le choix de quitter la collectivité, il n'est pas remplacé. Et ça, c'est un problème dans tous les services de la ville. Le deuxième souci, c'est le service public du quotidien. Donc, c'est pour nous un accueil à l'état civil qui est fermé l'après-midi. C'est pour les parents qui ont des enfants en crèche, des horaires réduits. C'est très peu d'accès aux bibliothèques annexes, deux demi-journées par semaine, par exemple pour celle de Saint-Siméon, qui a été fermée pendant 1 an et demi. Voilà, c'est un service dégradé pour les personnels et actuellement, en fait, c'est aussi parmi les revendications des responsables des collectes des ordures puisque, en fait, il leur manque 8 agents pour faire le travail avec eux et ça fait partie de leurs revendications.
Donc là, on est là pour les soutenir, pour relayer cette difficulté. Et c'est pour ça que je vais me contenter de lire quelques phrases de leurs revendications. Donc, fin de la politique de non-remplacement des collègues qui partent à la retraite ou est en arrêt depuis plusieurs mois. Déploiement de moyens humains en adéquation avec les objectifs définis pour chaque service. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste. Il faut qu'ils soient en mesure de rendre un service de qualité. Ils ont besoin de moyens humains pour rendre ces services. Après, des choses importantes. Traitement en priorité absolue des mauvaises conditions de travail. Donc, dans plusieurs services, hein, une adaptation des horaires en cas de forte chaleur. Problème aussi d'isolation des bâtiments. Parce que donc, ce matin, sur le piquet de grève, il y avait des personnels qui travaillent pour la collecte des déchets, mais dans les bureaux, qui ont dit que dans les bureaux, depuis le mois de mai, ils ont 30, 35 degrés. Hein. Et qu'il n'y a aucun dialogue sur la possibilité de venir travailler plus tôt. Hein. Donc ça, c'est vraiment des choses à améliorer. C'est seulement l'exemple des agents qui travaillent au bureau là-bas, au CTM. Qu'est-ce qu'ils ont noté encore ? Ils ne sont pas... Ils ne reçoivent pas les informations quant aux décisions sur la réglementation, les orientations budgétaires. Il n'y a aucune reconnaissance du statut d'encadrant intermédiaire. Donc il y a des réductions drastiques des effectifs dans certains services. Perte de sens de son travail, perte de visibilité, perte des objectifs. Ils demandent de stopper immédiatement le recours au privé pour briser le mouvement de grève. Hein, vous avez su, comme nous, que en fait, ce sont des bennes privées qui font une partie du ramassage. Ils veulent que l'argent public réponde à leurs besoins. Ils demandent de reprendre immédiatement le dialogue social pour sortir rapidement de cette crise. Et qu'ils ne la satisfait, enfin, ils sont pas du tout satisfaits de cette crise. C'est pas ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent du dialogue social. Voilà. Donc, je crois que j'ai essayé de résumer toutes les revendications, plus toutes celles qui concernent les rémunérations, hein, qui peuvent être discutées, puisque c'est toujours un choix politique, hein, d'augmenter les salaires ou non. Et voilà, il y a des maires. Ça fait depuis le 7 juillet que les éboueurs sont en grève. Ils avaient d'ailleurs déposé un préavis de grève. Ils ont rencontré le président de l'agglomération il y a 6 ou 7 jours, le 11 juillet. Une rencontre qui ne s'est pas très très bien passée. Et il leur a répondu le 13 en leur répondant que très partiellement à leurs revendications. Et en évoquant le télétravail, vous comprenez bien que quand on était boire, la question du télétravail est un petit peu décalée. Et c'est ça qui nous surprend beaucoup dans l'opposition. C'est qu'on s'attendait à ce que le maire, président de l'agglomération, au moins fasse des gestes, essaie de rencontrer régulièrement les grévistes. Ce n'est pas le cas et ça nous inquiète beaucoup parce qu'effectivement le mouvement se durcit, les poubelles s'entassent dans Auxerre. On peut comprendre ceux qui subissent l'accumulation des poubelles sur Auxerre, mais on comprend aussi les revendications des éboueurs. Et donc on appelle le maire et président de l'agglomération à au plus vite reprendre le chemin du dialogue parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont tout à fait raisonnables, qui souffrent. Bon, ça fait 2 ans qu'on en parle à Cressin-Marot. Il y a déjà eu des grèves précédentes, les ADSEM notamment, qu'on a soutenues. Donc il est temps maintenant de reprendre le chemin des négociations. Voilà. Et donc en tout cas, on va communiquer avec lui en ce sens-là. Oui, mais moi aussi, les amis, je pourrais vous sortir plein d'exemples aussi, mais c'est pas la question.